le macaque berbère, un singe fascinant de l'Afrique du Nord. Le macaque berbère, également connu sous le nom de mago, est l'un des rares primates présents en Afrique du Nord. On le trouve principalement dans les zones montagneuses du Maroc et de l'Algérie, où il affectionne les forêts de cèdres, les chênes verts et les falaises rocheuses. Le macaque berbère est un animal diurne et sociable qui vit en groupe de 10 à 200 individus. Ces groupes sont matriarcaux, ce qui signifie que les femelles dominent la hiérarchie sociale. Les macaques berbères sont des grimpeurs agiles et passent la plupart de leur temps dans les arbres à la recherche de nourriture et à se socialiser. Le macaque berbère est un omnivore opportuniste, ce qui signifie qu'il mange un large éventail de plantes et d'animaux. Son régime alimentaire se compose principalement de fruits, de feuilles, de graines, d'insectes, d'araignées et de petits vertébrés. Il est également connu pour voler de la nourriture aux touristes et aux campeurs. La période de gestation chez le macaque berbère dure environ 6 mois. La femelle donne généralement naissance à un seul petit, qu'elle allaite pendant environ 1 an. Les jeunes macaques berbères restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 3 ans, apprenant d'elle les compétences nécessaires à la survie. Le macaque berbère peut parfois causer des dégâts aux cultures et aux biens humains. Il est également connu pour être porteur de maladies qui peuvent être transmises aux humains. Cependant, il est important de se rappeler que le macaque berbère est une espèce menacée et qu'il joue un rôle important dans son écosystème. Le macaque berbère joue un rôle important dans la dispersion des graines et la pollinisation des plantes. Il est également une source de nourriture pour les prédateurs tels que les aigles et les renards. Le macaque berbère est une espèce clé de son écosystème et sa disparition aurait un impact négatif sur l'environnement. Le macaque berbère est classé comme en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont la perte d'habitat, la chasse et le braconnage, ainsi que le conflit avec les humains. La perte d'habitat est la plus grande menace pour le macaque berbère. Le développement humain, l'exploitation forestière et l'agriculture ont entraîné une fragmentation et une réduction de son habitat naturel. Le macaque berbère est également chassé pour sa viande et sa fourrure dans certaines régions. De plus, il peut être capturé et vendu comme animal de compagnie illégalement. Le macaque berbère peut entrer en conflit avec les humains lorsqu'il vole de la nourriture ou endommage des cultures. Cela peut conduire à des persécutions et même à l'empoisonnement des animaux. Plusieurs initiatives sont en cours pour protéger le macaque berbère et son habitat. Des zones protégées ont été créées afin de préserver l'habitat du macaque berbère et de lui permettre de se reproduire en toute sécurité. Des programmes de sensibilisation sont menés auprès des populations locales afin de leur faire connaître l'importance du macaque berbère et de les encourager à coexister avec lui. Des recherches sont menées pour mieux comprendre la biologie et le comportement du macaque berbère, ce qui permettra de développer des stratégies de conservation plus efficaces. En plus des efforts de conservation mentionnés, il est également important de soutenir des organisations qui travaillent à la protection du macaque berbère. Le macaque berbère est une espèce importante pour l'homme à plusieurs égards. Le macaque berbère est une attraction touristique populaire au Maroc et en Algérie. Les touristes viennent observer les macaques dans leur habitat naturel, ceux qui génèrent des revenus
pour les populations locales. Le macaque berbère est un modèle important pour la recherche scientifique, en particulier dans les domaines de la primatologie et de la neurobiologie. Le macaque berbère est présent dans la culture et le folklore du Maghreb depuis des siècles. Il est considéré comme un symbole de sagesse et de chance dans certaines cultures. À ce jour, il n'existe qu'une seule espèce de macaque berbère, Macaca sylvanus, communément appelé mago. Cependant, deux sous-espèces ont été identifiées, Macaca sylvanus sylvanus. C'est la sous-espèce la plus répandue, présente dans la majeure partie du Maroc et de l'Algérie, ainsi que sur le rocher de Gibraltar. Macaca sylvanus libicus. Cette sous-espèce est plus rare et se trouve uniquement dans une petite zone du nord-est de l'Algérie. Ces deux sous-espèces se distinguent principalement par des différences morphologiques mineures, comme la taille et la couleur du pelage. Il est important de noter que la classification des sous-espèces de macaques berbères fait l'objet de débats parmi les scientifiques. Certains experts considèrent qu'il ne s'agit que de variations régionales au sein d'une seule espèce, tandis que d'autres les reconnaissent comme des sous-espèces distinctes. En dehors de ces deux sous-espèces, il n'existe aucune autre race ou variété de macaque berbère reconnue. Le macaque berbère est un primate intelligent et adaptable qui a démontré sa capacité à survivre dans des environnements variés au sein de son aire de répartition naturelle. Le macaque berbère a été introduit avec succès dans d'autres pays dans le passé, comme Gibraltar. Si l'adaptabilité du macaque berbère ne doit pas être négligée, les risques potentiels pour la santé, l'environnement, le bien-être animal et les considérations éthiques ne peuvent être ignorés. Il est primordial de privilégier la conservation du macaque berbère dans son habitat naturel et de soutenir des initiatives visant à protéger son espèce et son écosystème. En conclusion, le macaque berbère est un singe fascinant et important qui joue un rôle vital dans son écosystème. Il est important de protéger cette espèce et son habitat afin de garantir sa survie pour les générations futures.